Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode numéro 4 de la saison 2 des couleurs classes sur GTA 5. Donc je vais vous proposer une nouvelle fois deux couleurs, donc une couleur qui a été trouvée par moi et Venger, et une autre couleur qui a été proposée par Revenge. Donc comme à chaque épisode, vous pourrez voter dans l'espace commentaire, donc pour la couleur 1 ou la couleur 2. Donc je sais que je ne sais pas conduire, là je sais pas ce qui m'est arrivé. On était dimanche soir, je pense que j'avais bu un petit peu, mais bon c'est pas très grave. Avant qu'on arrive au Los Santos Custom, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc tous les liens seront dans la description. Et pourquoi pas venir me rejoindre sur Twitter, on vient de passer le cap des 3200 followers. Merci à tous. Donc on va rentrer dans le Los Santos Custom, donc habituel, hein, comme d'habitude, de toute manière il n'y a pas de suspense. On va se rendre dans la catégorie des peintures. On va aller dans la catégorie des peintures, on va mettre la peinture classique noire comme à chaque épisode. De toute manière vous avez l'habitude, on va mettre voilà classique noir, on met du noir partout. Je vais mettre un peu de temps à descendre parce que je sais pas ce qu'il y avait. Il fallait que j'aille chercher le mot shaft et en gros je sais pas, j'étais un peu lent à la détente, je sais pas. J'avais envie de visiter un peu toutes les couleurs, donc voilà, bleu. Fallait que je prenne le mot shafter et après je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille un peu plus vite. Donc vous mettez le mot shafter sur une de vos voitures, vous allez vous rendre une nouvelle fois et après bah, vous allez vous rendre dans Nacré et vous allez aller chercher le jaune racing. Ou alors vous mettez la couleur de votre choix, mais pour moi ça sera du jaune racing. Et après bah, vous n'allez plus qu'à vous rendre dans la couleur secondaire. Donc la couleur secondaire, et vous mettez le mat que vous voulez. Alors personnellement moi je trouve qu'avec le bleu ça rend vraiment super bien, comme ça ça s'allie vraiment avec les roues. Et après bah, vous avez plus qu'à mettre la couleur des roues, donc vous allez dans couleur roue, mettez couleur des jantes et je pense que c'est le bleu fluo. Vous mettez le bleu fluo, le bleu ardoise, bah, après vous mettez le bleu que vous souhaitez. Et après vous avez votre couleur classe. Donc pour cette couleur vous voterez numéro 1 dans l'espace commentaire. Pour la deuxième couleur, il va vous falloir réaliser un mini glitch. Donc c'est un mini glitch qui vous permettra de mettre du nacré sur n'importe quelle surface. Donc là, on va sur une nouvelle fois se rendre dans peinture. Hop, on va aller dans peinture direct. Vous allez dans peinture, vous allez dans métaux cette fois-ci. Vous n'allez pas dans métallisé, mais dans métaux. Voilà, vous rendez dans métaux. Et vous allez tout simplement prendre le deuxième, métaux. J'ai pas eu le temps de voir. Désolé, prenez du métaux et après bah, vous allez vous rendre dans métallisé. Vous restez sur l'écran de métallisé, vous faites deux fois croix ou vous faites deux fois B. Après vous rendez dans les plaques d'immatriculation ou dans la couleur accessoire des jantes, accessoire des roues. Vous mettez un accessoire des roues et après vous rendez dans peinture. Et après vous allez sur le nacré. De toute manière vous connaissez quasiment tous ce glitch, hein, je vais pas vous apprendre. Et après une fois dans le nacré, vous allez choisir la couleur que vous souhaitez. Alors personnellement j'ai mis du bleu parce qu'avec le bleu l'effet est vraiment magnifique. Mais vous pouvez très bien mettre du jaune, du vert ou même du rouge, ça rend très bien aussi. Mais moi personnellement c'était du bleu. Et après en couleur secondaire, bah, vous allez dans mat et vous mettez la couleur de votre choix. Donc pour moi ça a été du bleu. Et pour la couleur des jantes, vous mettez du bleu fluo ou du bleu ardoise. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc pour la couleur numéro 2, vous voterez 2 dans l'espace commentaire. Donc n'oubliez pas de liker mon commentaire qui sera dans les commentaires, c'est logique. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tout ça très très bientôt. Allez, ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.